Coucou tout le monde, me voilà de retour. On est en été, qui dit été dit vlog d'été, dit ça part en vacances, dit coucou. I'm in Bruxelles. J'ai rejoint Inès à Bruxelles pour le week-end. Il y a Mathilde qui nous rejoint après. On commence le vlog dans une petite rue trop belle. Non, les maisons sont trop sympas, je sais pas, on se prendrait au Canada là, j'adore. Alors de base, je devais arriver à 16h40, je suis arrivée avec une demi-heure de retard à cause des bouchons. Donc voici Inès qui m'attendait pendant une demi-heure. Ah non, mais alors ça par contre ça va pas être possible. Je te le dis hein. Mais le truc il fait la taille de... Littéralement oui. Oh, je me sens pas bien. Oui. Bon, là nous sommes en route pour aller voir un stand-up. T'as vu, j'ai grandi. Ouais, et moi j'ai Brunie. J'ai Carla. Allez. Allez. Premier vrai jour à Bruxelles, Inès est partie travailler dans un café pour ses partiels. Du coup avec Matou, on est toutes les deux ce matin. On se prépare et ensuite on va aller visiter Bruxelles Centre. On est arrivé à la Grand Place en mode bonne touriste et c'est très beau. Le petit mannequin piece, il a un petit costume. Et Matou, elle connaissait pas le mannequin piece. Je suis un peu déçue, hein. C'est vrai que c'est un peu petit en vrai, mais... On a récupéré le colis. Ah oui. Et maintenant, on va faire les courses pour le pique-nique. Là, on a fait nos petites courses. Maintenant, on est dans un parc. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est très sympa. Il y a aussi un pote d'Inès qui va nous rejoindre, que j'ai vu hier soir, qui est très drôle. On a ce petit saule pleureur, très sympa, à escalader. Et nous, on va sûrement se poser ici. Et du coup, la vue qu'on a, c'est ça, quoi. En Bruxelles, ça m'impressionne. C'est vraiment mon style d'architecture. J'aime beaucoup l'architecture. Beaucoup de maisons en pierre, en petites briques. Et c'est très cosmopolite. Il y a énormément de culture à Bruxelles, j'adore ça. Et en plus, les gens sont très gentils. Franchement, très bonne surprise. On est bien comme tout. On est posé. On est en projet copinage avec on sait pas trop ce que c'est, un canard, une oie. Mais elle est trop chou, elle nous regarde, elle attend là. Ça va, ça part à l'aventure. Je rêve qu'il tombe. Vraiment. Bon, après 2 heures d'attente, nous partons enfin. Rentrer, ouais, dormir, enfin voilà, on est rentré quoi. Et là, on part enfin. Ça fait 2 heures que je les attends. Alors Matou, ah, c'est moi. Très sympa, moi j'aime beaucoup. Un petit cargo, j'ai pas l'habitude. Et puis un petit haut de chez Zara. J'ai pas l'habitude non plus de mettre de haut de chez Zara. Voilà. Ça part sur une petite robe, des petites chaussures. Et puis moi, on voit pas trop, mais... Attends, tu filmes. Nous sommes en route pour aller manger des frites, des bonnes frites belges. In October, it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. La soirée touche à sa fin. Je suis épuisée, j'ai dormi dans le bus. Dodo, l'enfant d'eau. C'est honteux, c'est honteux. Dodo. On a trouvé un camarade sur le chemin qui nous suit jusqu'à la maison. Oh non, lui, il court avec nous carrément. Aujourd'hui, dernier jour à Bruxelles. On a déjà pris nos valises. Comme ça, on est sûr de ne pas être encombré et de devoir retourner à la maison. Du coup, on a tout pris. Et là, du coup, on va au Wolf Market. En gros, un endroit où tu peux manger plein de trucs de plein de restaurants différents, mais au même endroit, parce que j'ai compris. Et après, Matou s'en va déjà. Elle a son train à 14h40, moi 18h30, donc ça va. On pourra encore profiter de la journée. Il y a tout plein de trucs partout. Genre tout autour, là, c'est que de la bouffe. Et après, tu commandes ce que tu veux. Alors, Inès, elle a pris un bo bun. Très bon. Super bon. Vietnamien. Matou, elle a pris un plat syrien à base de poulet. Moi aussi, c'est un plat syrien avec de la courgette, des poivrons et tout. Bref, j'adore. Trop sympa. Thank you.
Bisous Matou. Bisous. Merci beaucoup d'avoir accompagné. On va voir une expo qui tourne vachement sur TikTok. Expo Happiness. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc là, on va acheter une petite dernière gaufre avant que, d'aller prendre le bus. Oh, ça régale. Oh, ça régale. Ah ouais. Très sympa. Me revoilà à Metz. Vous devez pas comprendre cette fin de vlog, mais je vais vous expliquer. En gros, avec Inès, on est allé manger une gaufre. On avait fait la petite course et tout pour que moi je puisse manger dans le bus le soir, etc. On prend le métro tout tranquille pour aller à la gare routière. Et en fait, au moment où on se rend compte qu'on n'a pas pris le métro dans le bon sens. Et que du coup, on s'éloigne totalement de la gare routière. Et j'ai failli rater mon bus. Donc c'était très sportif, très short, très stressant. Donc j'étais plus du tout dans le mood vlog. Mais ceci explique cela. De toute façon, vous n'avez pas raté grand chose, mis à part une course-poursuite contre la montre. Donc ouais, comme dit au début de la vidéo, je reprends les vlogs. Alors c'est très irrégulier hein, sur cette chaîne. Mais maintenant, je suis plus dans l'optique de créer des souvenirs. Plutôt que de faire un contenu très récurrent, pas intéressant. Et je préfère faire de cette chaîne maintenant une chaîne souvenir. Et puis si ça vous plaît, bah tant mieux. Et sinon, bah ça me fera des souvenirs pour moi plus tard. Donc écoutez, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog d'été. Parce que cet été, les vacances s'annoncent chargées. Donc ça va être trop bien. Bisous.